Ça fait tellement longtemps! Ça fait super longtemps que j'ai pas vlogué et ça fait super longtemps que j'ai pas parlé. Oh! I miss you! Ok, alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces. Je crois que c'était. Ça fait 2 semaines que j'ai pas vlogué. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 dernières semaines? Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est pas. Ça a pas été très facile. Je viens d'unboxer ma Kindle! Et du coup, je vais crocheter une pochette parce que je. Vite fait, hein. Parce que je voudrais bien en faire une, genre vraiment super belle et tout. Mais là, je vais à Paris demain. Je vous en parlerai tout dans. Je vous en parlerai très bientôt. Mais du coup, j'ai besoin d'une pochette pour la Kindle, absolument. Parce que je vais la prendre avec. Bref! Qu'est-ce qui s'est passé du coup pendant ces 2 semaines? C'est pas la grande forme, c'est même la catastrophe, mais on s'accroche et ça va aller. Ouais, du coup, en attendant, j'ai pas vraiment vlogué, enfin, j'ai commencé des vlogs, ça et là. Je les ai pas finis, enfin, je pense que j'ai filmé quelques trucs. Au début, en fait, j'ai commencé un vlog et j'ai pas réussi à le continuer, donc j'ai supprimé les images parce que je suis bête. Je sais pas trop comment sera ce vlog, mais voilà, on verra. Première chose dont je voulais vous parler, c'est. Je suis trop contente. J'ai trop hésité à la prendre en menthe ou en noir. Du coup, j'ai fait au hasard. Du coup, j'ai pris mint. La raison pour laquelle j'ai une nouvelle Kindle alors que j'en avais déjà une, celle que j'avais déjà, du coup, elle était pas très en forme. C'est-à-dire qu'il commençait à y avoir des. Je sais même pas comment expliquer, mais il y avait genre des trous dans l'écran qui laissaient passer la lumière. C'était très très inconfortable pour la lecture. Et en plus, je n'arrivais plus à mettre des livres dessus. Et en fait, c'est un peu normal qu'elle ait fait. Qu'elle ait commencé à un peu mourir dans mes bras. En tout cas, elle datait de 2014. Du coup, bah, ça fait 10 ans. En plus, je crois qu'on l'a achetée en novembre 2014. Enfin, on l'a achetée. En fait, avant, c'était celle de ma mère. Et elle l'a achetée, je crois, en novembre 2014. Ce qui est marqué sur le compte. Donc, ça fait exactement 10 ans qu'elle est en existence. Donc, en vrai, je lui en veux pas d'être tombée malade. Bravo, petite Kindle. Tu es restée parmi nous assez longtemps. Et du coup, je fais une petite pochette vite fait. Parce que demain, je vais à Paris pour petit 1, première partie de la journée, je vais voir Elio. Et petit 2, deuxième partie de la journée, ou plutôt soirée, je vais au concert de DPR. DPR, si vous connaissez pas, c'est un collectif de rap R&B coréen. Et moi, personnellement, bon, c'est compliqué. Mais en gros, mon fave DPR, c'est Ian. C'est. Comment dire? C'est. Quelqu'un que j'admire énormément, qui m'est très spécial à mon cœur, parce que comment dire, il parle ouvertement de santé mentale et il écrit, c'est un producteur, chanteur, performeur incroyable. Il est aussi réalisateur. Si vous connaissez IU, la chanteuse, la soloiste coréenne. Il a fait un de ses clips et il est réalisateur de ses propres clips et tout. J'ai même pas les mots, genre vraiment, c'est un artiste incroyable. Je suis extrêmement contente de pouvoir aller à ce concert parce que j'ai pensé que j'allais pas pouvoir y aller un petit moment, mais j'ai eu la chance et donc je pourrais y aller. Et demain, à Paris, je pense que je vais pouvoir acheter, pour la première fois depuis un assez long moment quand même, des trucs genre K-pop-ish. Ah oui, mais je voulais vous parler de mon livre que j'avais lu. Je voulais vous faire une update lecture. Sur mon Patreon, plus tôt dans la semaine, j'ai partagé ma pal en vidéo de novembre. Dedans, je vous ai parlé de ce que j'étais en train de lire et ce que je voulais lire. Et du coup, dans ce que j'étais en train de lire, il y avait The Thorns. Je me rappelle plus le nom de l'auteur, mais je vous mettrai la couverture ici. Il n'est pas encore sorti, il sort en mars. C'est un livre qui se passe dans un pensionnat en Afrique. Et ça parle, en gros, ça parle d'amitié obsessive. Est très 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 toxique, de violence sexuelle, donc faites très attention au trigger warning. C'est vraiment un livre pas facile à lire. Le truc que j'ai le plus adoré et ce que j'ai remarqué tout de suite et ce qui m'a vraiment énormément plu dans ce livre, c'est le style d'écriture parce que il est vraiment hyper unique. Et en fait, j'ai un peu du mal à exprimer ça, mais en gros, il y a pas mal de métaphores ou plutôt d'images pour un peu illustrer ce qui se passe sans le dire. Mais en même temps, ça reste vraiment très clair et ça reste très impactant. Je trouve que c'est vraiment une grande qualité de pouvoir faire un truc comme ça, de pouvoir rendre quelque chose d'imagé aussi vif. Et après The Thorns, j'ai commencé à lire ce dont j'avais parlé dans ma pal aussi. Lapin maudit de, je sais plus c'est quoi l'auteur, Chung Bora. Voilà, c'est un livre traduit du coréen, c'est un recueil de nouvelles. Vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il est quand même vraiment populaire. Et moi, personnellement, ça fait très longtemps que je le vois, ça fait très longtemps qu'il est dans ma liste
d'envie sur Goodreads. Sauf que je l'ai jamais lu parce que j'étais. En fait, comme c'est une collection, enfin, comme c'est un recueil de nouvelles, j'étais un peu en mode. Parce que j'ai. Enfin, c'est pas que je suis pas fan, c'est que je lis pas trop en fait de recueils de nouvelles et j'avais pas envie de lire de recueils de nouvelles depuis un bon moment. Mais là, entre-temps, il y a une amie de Instagram, bah, chez qui je suis allée à Londres cet été, Kaya, qui l'a lu et qui en a fait une review incroyable! Sa review, elle est trop forte à faire des reviews, suivez-la sur Instagram, elle est vraiment incroyable. Donc avec cette review-là, j'ai eu envie de le lire encore plus. Et là, pendant le mois d'octobre-novembre, j'avais envie de lire un peu de trucs plus trucs d'horreur ou des trucs creepy et tout. Et celui-là, il avait l'air pas mal dans le genre truc bizarre, creepy, un peu horrifique, bizarre. Et en plus de ça, j'étais dans le mood de lire une collection d'histoires, un recueil de nouvelles. Voilà, c'est ça le mot normal. Et du coup, j'ai commencé à lire et là, j'ai bien avancé. J'en suis à 192 sur 300 à peu près, 280. Le truc, c'est que quand je suis chez moi, j'ai du mal à lire parce qu'au lieu de lire, je regarde Supernatural. Alors là, pour ceux qui me suivent depuis, mais alors, mais quand je dis longtemps, là, c'est vraiment, vraiment très très longtemps. Je sais pas si vous vous rappelez, mais Supernatural, ça a été ma série préférée pendant très longtemps. Et quand je vous dis que j'étais fan, c'est que vraiment, vraiment, mais alors, vraiment, j'étais fan. Et là, avec le mois d'octobre, pour la, je me suis vraiment remise dans tous les trucs supra spooky et tout. Et je sais pas, je suis trop à fond dedans. Et du coup, j'ai recommencé à regarder Supernatural. J'avais déjà commencé un rewatch il y a plusieurs mois et je m'étais arrêtée à la saison 4. Je m'étais arrêtée en fait à l'épisode où Castiel il arrive. Et du coup, là, j'ai repris à partir de la saison 4. J'aime trop en fait. Et j'arrive pas à arrêter de regarder. Je fais d'autres trucs en même temps, mais je n'arrive pas à arrêter de regarder. Du coup, bah, ma lecture, même si j'aime trop le livre, elle est un peu délaissée quoi. Et le truc avec cette série, c'est qu'en fait, ça se prend hyper au sérieux, des fois, et en même temps, des fois, pas du tout. Et même si c'est pas genre de la réalisation de fou malade et tout, il y a plein de trucs de storytelling qui sont trop, trop fun et trop, trop cool. Quand j'étais à la fac, j'ai fait un exposé sur le storytelling dans Supernatural parce qu'ils ont des épisodes super intéressants de ce point de vue-là. Mais en plus, c'est genre une série, genre, pas mal problématique, genre, enfin, en vrai, ça va, mais les filles. Je dirais genre bien 95% des meufs sont sexualisées. Genre vraiment c'est un délire. Je suis très attachée à cette série et ça me donne beaucoup. Ça m'apporte beaucoup de positif et ça m'aide beaucoup en ce moment. Donc voilà, tout ça pour vous dire ça. Voilà! Thank you so much. Your energy is much needed.
Alors, j'ai rencontré quelqu'un dans la file. J'ai rencontré, en gros, quand on est arrivé à... Enfin, quand je suis arrivée dans la file, au bout de genre 5 minutes, il y a une meuf qui est venue me voir, enfin, qui venait voir tout le monde de la file et qui disait, cette file-là, c'est la file pour seulement les 4. Et toute la fosse, il faut re-aller tout devant, il faut tout doubler, il faut aller tout devant. Parce qu'ils vont vous faire rentrer en premier. Et il y a une queue spéciale pour la fosse devant. Du coup, bah, je pars dans la fosse avec plusieurs personnes. Je vais devant. Il n'y avait pas de queue pour la fosse. Parce qu'en fait, les deux étaient mélangés du coup. Et du coup, elle a juste fait virer des gens de la Ouais, file comme ça. beaucoup. Mais c'est pas légal. Mais Enfin, c'est qui cette elle meuf? pensait vraiment ça. Parce qu'après, je suis retournée la voir. Et elle m'a dit, je lui ai dit, bah, en fait, il n'y a pas de queue pour la fosse dedans. Genre, on est venu et on s'est fait renvoyer derrière. Moi, j'en fiche, mais les gens, ils ont perdu leur place dans la fosse. Et elle a dit, mais non, c'est pas possible, ils viennent de me dire de le faire et tout. Genre, je comprends rien. Vas-y, genre, arrête, ça me saoule. Et après, elle a envoyé un message vocal super vénère à quelqu'un. Mais du coup, oui, à cette occasion, j'ai parlé avec elle, avec une autre fille qui était là. Et qui était en mode, ok, moi, je m'en fiche, genre, je vais être derrière. Genre, nous deux, on était en mode. Je m'en fiche, mais genre les autres personnes, ils ont notre place. Voilà, mais du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré Nolwenn. Et du coup, on a passé toute la soirée ensemble, genre de Trop la bien. queue jusqu'à la fin, genre. Et pendant le concert, genre, je sais pas si je t'avais dit, mais hier ou je sais plus quand, Yann, il avait envoyé un message pour dire il y aura une surprise à Paris et tout. Oui, c'était quoi la surprise? C'était quoi la Il surprise? a annoncé, en gros, alors il a commencé par dire ouais, vous savez que j'ai deux personnages et tout, j'ai Mito et. Enfin, Maito et Insanity. Et il a dit, mais Yann, il a pas de personnage à lui. Et du coup, il a dit, bah, du coup, je vais créer un personnage, le personnage de Ayaz, et je vais sortir un album sur lui. Il a fait écouter des trucs ou Il pas? avait écouté une chanson en entier. Yo! En exclu, normal. Vraiment, on a tous freak out, c'était trop bien. Est-ce que c'est ce que je demandais? Est-ce que c'était que Ouais. hier ou c'était tout? En fait, du coup, il y avait Article Nouveau, Crime, comme d'hab, et Ayaz à la fin. Du coup, par nous, trop Ah, bien, trop c'était trop cool, vraiment. Ah, oh, c'était trop bien. Par contre, la merch, je suis trop dégoûtée. Trop moche. Genre, vraiment, la merch qu'ils ont sortie sur leur site et tout, elle est incroyable. Ah, il avait Ballroom Extravaganza. Il Oui! a fini sur Valorum Extravaganza. Il a fini sur Nerves et Valorum Extravaganza. De mes lectures en ce moment. Alors j'ai eu beaucoup de mal après avoir fini. Je crois que mon dernier livre c'était The Thorns, je m'en rappelle plus, mais en tout cas après avoir fini ma dernière lecture, j'ai eu beaucoup de mal à trouver ce que je voulais lire. Vraiment beaucoup de mal. J'en ai commencé plusieurs. Un que j'ai commencé c'est No Longer Human, qui est un classique japonais. Et j'ai adoré comment c'était écrit, sauf que j'ai tellement adoré que je me suis dit, vas-y, en fait je l'avais en e-book et je me suis dit, vas-y, je veux pas le lire en e-book, je veux l'avoir genre en papier et l'annoter. Du coup, j'ai fait des recherches sur
pour savoir en fait quelle traduction était la meilleure, enfin meilleure entre guillemets, je veux dire celle qui correspondait le mieux à ce que je voulais lire. Et je me suis rendu compte que c'était pas celle que j'avais sur mon e-book. Et du coup, je me suis dit, bah encore plus là, je vais encore plus prendre une autre traduction qui est celle de Marc Gibault, je crois, en anglais. C'est une traduction qui a été faite vers l'anglais. Mais du coup, c'était celle de Marc Gibault et je l'ai demandé à Noël. Donc voilà, donc du coup j'ai mis ce livre-là en pause. Et ensuite, je crois que j'ai essayé de commencer un autre livre. Oh, oui, non, d'ailleurs, le dernier livre que j'ai fini, c'est Cursed Bunny. C'est pas du tout The Thorns, donc c'est Cursed Bunny. Ensuite, j'en ai emprunté un à la bibliothèque, mais je me souviens même pas, mais j'étais pas du tout dedans. Ensuite, j'ai commencé If We Were Villains de ML Rio. Ça fait quand même assez longtemps maintenant que je l'ai dans ma palle. En fait, c'est en parlant avec une amie que je me suis dit, j'ai trop envie de le lire. Et du coup, quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, je l'ai pris et j'ai commencé à le lire. Au final, j'ai pas été très lent. J'en suis à la page 46. Voilà, donc c'est pas ouf. J'arrivais pas trop à être accrochée. Mais je pense que je vais continuer de le lire, genre, très bientôt, de temps en temps. Mais l'ambiance est incroyable, tellement Dark Academia, vraiment c'est trop trop cool. Et pour l'instant bah, j'en suis vraiment très très proche du début, mais j'ai trop trop hâte de voir en fait comment vont se développer les personnages et leurs relations entre eux, etc. Et comment ça va arriver à la fin, parce que le prologue en fait ça se passe pas au début, ça se passe du coup je sais pas quand, milieu ou à la fin. Très The Secret History vibes. Mais du coup, celui que je suis vraiment en train de lire en ce moment, c'est celui-ci, October October, de Katia Balen. Regardez-moi cette couverture incroyable, il est trop beau. Et en fait, celui-là, c'est un livre que j'ai récupéré grâce à Elio. Merci Elio, je suis trop contente parce que sinon j'en aurais... Enfin, je pense que je l'aurais jamais lu ou acheté. C'est un livre, alors, c'est du middle grade et c'est de... Comment dire ? En gros, c'est une fille et son père qui habitent dans une forêt, qui sont vraiment relativement coupés du monde, qui ont vraiment très peu de contact avec le monde. Et du coup, et voilà, un jour, la petite, elle trouve une chouette qu'elle sauve et puis il se passe des trucs et... Enfin, il se passe des trucs, il se passe pas grand chose. Là, j'en suis à la page 92 et il vient de se passer un truc assez très important. Mais jusqu'à là, jusqu'à la page 92, il s'est rien passé. C'est pas du tout un truc négatif, parce que moi, j'aime bien quand il se passe rien. C'est pas du tout un truc négatif, mais sachez-le, il se passe pas grand chose au début du livre. Il se passe quasiment rien au tout début du livre. Donc voilà, mais j'adore comment c'est écrit. Aussi, sachez qu'il y a quasiment pas de dialogue et que même quand il y a des dialogues, c'est pas formaté en format dialogue, c'est juste en italique dans le paragraphe. Et aujourd'hui, à la bibliothèque, j'ai commencé ce roman graphique qui s'appelle Jane face aux sirènes, qui est un roman graphique qui se passe dans les années 1800 quelque chose, j'imagine. La personnage principale est une femme qui est grosse, donc vraiment, c'est difficile de vivre dans une société extrêmement patriarcale et qui se base beaucoup sur l'apparence en étant une femme et grosse. Donc déjà ça parle beaucoup de ça. Je suis vraiment très... Enfin je suis pas très loin, j'en suis ici. Pour l'instant ça vient une lumière qui est mise sur cet aspect-là. Donc c'est très intéressant. C'est en fait une femme qui perd ses parents et ses parents ne lui laissent rien en héritage parce que c'est une femme. Du coup elle doit se trouver un mari en une semaine parce que sinon elle part de chez elle, enfin genre elle est mise à la porte de chez elle et elle arrive nulle part où elle est, donc il faut qu'elle se trouve un mari. Et donc le mec qu'elle choisit, il se fait enlever par une sirène. Et voilà d'où Jane face aux sirènes. Voilà, donc ça a l'air trop trop cool, j'adore les dessins. Et en fait, alors on va faire un truc. En fait, cette autrice-là, je savais pas, mais elle a écrit deux autres livres, dont un que j'ai lu. Elle a écrit Un été d'enfer, qui parle d'une adolescente enfant plutôt, qui passe son été dans un camp russe, parce qu'elle est d'origine russe. Et j'avais trop trop aimé ce roman graphique-là. Et donc, elle a aussi écrit ce qui s'appelle La vie hantée d'Ania, qui est aussi un livre que j'ai très 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 envie de lire. J'adore ces dessins, en fait, à cette autrice-là. Alors, je vais regarder si on l'a à la bibliothèque. Oui, on l'a! Let's go! Pour l'instant, j'aime vraiment vraiment beaucoup. Vraiment, je vous recommande beaucoup cette autrice artiste là. Et j'ai trop hâte de continuer parce que je pense que ça va être très créatif et tout et que ça va être trop beau. Mais voilà, en tout cas c'est ça que je suis en train de lire. Petite info, je sais pas encore si je vais m'être décidée au moment où ce vlog sort, mais je pense que je vais faire une chaîne YouTube dédiée à la K-pop. Parce que comme ça je pourrais faire plus de vidéos que j'avais envie de faire mais qui sont trop spécifiquement K-pop pour aller dans ma chaîne YouTube normale. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui partent parce qu'ils aiment pas la K-pop et que de toute façon ils sont pas intéressés par la K-pop, donc ça les saoule. Donc je vais, je pense, créer une nouvelle chaîne YouTube avec
que du contenu en rapport avec la K-pop. Je crois que je vais finir ce vlog ici parce que ça fait un mois, quasiment jour pour jour, que je le traîne. J'espère qu'il est ok à regarder. Enfin, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Prenez bien soin de vous et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.